Mes amis! Non, je déconne, je vais pas faire ça. Attends, c'est quoi? Bonjour! Bonjour. Ah, l'épisode commence super mal. Bonjour, mes poulets! Bienvenue sur ce chapitre 20. Alors là, je fais 80 épisodes d'affilée, donc voilà quoi. Chapitre 20! Oula, c'est bon, ça lag. Il se passe quoi? Waouh! C'est moi au jeu, il a un peu de mal. Ah ouais, il a un peu de mal. Bienvenue sur ce chapitre 20! Une échappatoire paisible. Il n'y a aucun changement, je ne peux pas t'y farmer. Donc le level cap c'est 44 si je me souviens bien. Bonjour Polo. Bonjour. Quelque chose ne va pas. C'est juste que j'ai travaillé si dur ces trois derniers mois. Et avec l'examen hebdomadaire derrière nous, j'espérais qu'on aurait en quelque sorte une pause, là, tu sais. Non. Quoi? Je rigole. J'ai actuellement une annonce pour tout le monde, pour vous tous. Et je pense que tu vas aimer. Très bien, écoutez-moi tous. Vous avez été d'incroyables travailleurs ces trois derniers mois. Certains d'entre vous ont été scellés dans les endroits où d'autres ont eu du mal. Et inversement. Ouais, mais moi je suis le poulet et j'ai de sel partout. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Que vous êtes ici. Pour améliorer votre force et travailler sur vos faiblesses. Je sais que vous êtes faible. Fatigué. Pas faible. Je sais que vous êtes fatigué. Fatigué, épuisé. Ou même très épuisé. Le mec a pas envie de traduire. C'est pourquoi je vous donne une semaine de vacances. Ouais, sérieusement. Vous l'avez mérité. Oh mon Dieu. J'allais m'effondrer s'il y avait classe aujourd'hui. Oui. On peut enfin se balader ensemble! À nouveau! Ça faisait trop longtemps! Je ne croyais pas que ça. J'étais excité de passer du temps avec vous, les idiots. Attends, où est-ce qu'on va aller? N'importe où, mais pas ici. Une pause? On va prendre une pause. Putain, Laurel est traumatisée. La pauvre fille, elle est traumatisée. On dirait une candidate de la France Insoumise qui s'est trompée de meeting et qui est matérielle au RN. Merde! Le traumatisme! Désolé, il fallait que ça sorte. Bon, en même temps, il y a eu les élections hier, enfin, le premier tour hier. Pour vous, le second tour est juste demain. Pour moi, c'est dans 6 jours. Tiens, Bref. Eh les gars! Le festival d'Isaya et se trouve dans ma maison natale. À Rivera. Hein? Attends. Ok. Le festival de Isaya se trouve dans ma ville natale. À Rivera. Et ça se passe dans 2 jours. Je pensais que peut-être. Attends, il n'y a pas des feux d'artifice et combat Pokémon? Je pense que j'en ai entendu parler. Et juste et comme l'année 1000 AI est dans le coin,
Ce sera le plus gros. Mais très bien, allons-y à ce festival. Ouais. Alors, Connor, tu vas te faire foutre, t'es pas invité. Cordialement, on t'aime, bisous. Alors, t'aurais envie de commencer? Attends, il manque pas quelqu'un? Je suis désolé, je suis en retard. J'ai dû prendre les transports en public. Et tout. Oh mon dieu, c'était épuisant. Je suis désolé, mais tu ne t'es pas trompé de bureau? Attends, c'est bien ici la rencontre de l'Alliance. Je l'appellerai à peine ça une rencontre. La plupart de nos membres sont occupés. Je suis Ayaka Sionstar. Je représente mon père en tant que le leader économique de la région d'Ere. C'est un plaisir de te rencontrer, Ayaka. Mon nom est Mélodie. Je suis actuellement la championne de la région Unova. Prends un siège. Tu peux m'appeler Lorraine. Je suis membre de la Ligue de Kanto-Joto. Alors, Lorraine, pour ceux qui ne savent pas, c'est la championne. Enfin, la championne. Du conseil. C'est le premier membre du conseil des quatre. Quand on affronte dans Rouge et Bleu. C'est la femme qui a notamment un Lotlas, un Liputu. Pour ceux qui s'en souviennent. Et c'est. Il me semble qu'elle est dans. Dans la Ligue Orange, il me semble qu'elle est en tant que championne aussi. J'ai un doute. Tu peux m'appeler Dominique Stone, président de la région ON. Dominique, par contre, ça me dit rien du tout. Et nous, bien sûr, avons deux exécutifs de l'Alliance qui ne sont pas liés politiquement à une région majeure. C'est merveilleux de vous rencontrer tous. Mais ne devrions pas être plus de personnes? J'ai entendu dire qu'il y avait 8 majeurs par régionaux qui devaient être envoyés et non un ou deux représentateurs. Représentant. Eh bien, tu vois, la chose, c'est. Ayaka, si on te dit. Quand on savait que tu allais venir à la place de ton père. Attends, qu'est-ce que c'est supposé dire? S'il te plaît, assieds-toi. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Il se trame quelque chose. Du coup, nous. Faut qu'on aille au festival. Par contre, le journal de quête, il lag. Hein. Faut qu'on aille à Rivera. Est-ce que c'est tous les dialogues ou quoi qui lag ou... Bonjour, toi. Non, ça n'a pas l'air de laguer. Est-ce que... Là, ici, ça lag. Ça n'a pas l'air de laguer. Oh. Waouh. Ça a l'air de laguer. Je sais pas ce qui se passe. Donc, peut-être que ça fait trop longtemps que j'ai le jeu d'animé. Je vais fermer et le rouvrir. C'est ça, hein. Ah, mais aussi j'ai l'importation d'autres trucs là qui est en route. Hop là. Désolé pour ce petit désagrément. Je vérifie si c'est bon pour OBS. C'est pas bon. C'est. Hop là. Une seconde. Attends, mais pourquoi je suis en vue cinématique? Trop bizarre. Voilà, c'est mieux. C'est parti, on y va. Désolé. Ouais, le problème. Est-ce que là, t'as la gueule toujours cette merde? Ah bah non, il fallait que je redémarre le jeu. Ça faisait trop longtemps que j'avais ouvert. Du coup, pour aller à la région, je sais pas quoi, à la tête de Rivera, je sais pas où c'est. Bravo. Bon bah, on va chercher. J'ai combien de thunes à dépenser? Oh, ça, on s'en fout. Bon, comment on fait pour y aller? Faut probablement prendre un train ou une connerie comme ça. Est-ce qu'il y a un chemin que je n'ai pas vu?
D'ailleurs, ici, on peut y aller maintenant? Oui. Ouais, mais est-ce qu'il y a encore les Pokémon sauvages à défoncer? Oh, il y a encore ceux que j'ai pas défoncés. Mais comment on va arriver à peut-être à... J'ai à dire peut-être par le train? Bon, j'ai le Pokégear, j'ai un peu, entre guillemets, triché, hein, c'est pas vraiment le triche. Map. Améliorer district. Runan. Iscliff. Corico. Riviera, donc c'est au nord de Corico. Donc là, on est à la route 9. Et apparemment, il y a un chemin pour aller au nord de Corico directement. Ah, mais il y a un endroit où je ne suis pas allé sur la ville. En pas là. Peut-être qu'il y a un chemin derrière ça. C'était où? Par là. Allô? On peut pas lui parler. Alors quand je vous dis que je sais pas du tout où faut y aller, c'est pas une blague, hein. Vraiment, je blague zéro. Ça fout là, ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment passer mon temps libre. Oh, il est en passe pour Destiny! Attends, il est en passe pour Destiny! Tu devrais plutôt t'entraîner plutôt que de t'intéresser à elle. Je pense pas que Destiny sera intéressé, pourquoi pas. Reine personnelle, c'est à cause de son rêve. Ok. Ah d'accord, en plus ça donne des points. Ah là, il y a le chemin. Il y a peut-être un chemin là. C'est vrai qu'il y avait des gardes avant. Route 10. Tu. 100% c'est Final Fantasy 17 ça. Ah, il y a des Pokémon que je n'ai pas ici. Il y a un Rondoudou, donc un Pokémon son. Son fait pour le coup. Machamp, malheureusement pour toi, tu vas dégager et tu vas me donner ton XP. Ah, au second, je veux rien. Donne-moi ton XP. Meurs. Pareil, casse-toi, donne-moi ton XP. Bye. Alors, j'adore le design de la zone. Le Shroudom. Garde de voir. Tu te shootais toi, tu vas voir. Oui, parce que... Voilà. Je vois même mouche qui m'emmerde. Ah, elle a fait vœu. Attends, elle fait repos plus le vœu. Ah non, mais c'est pas overkill, meuf.
Tiens, regarde, je te baisse ton attaque spéciale. T'es à moins 2. Ah merde. Bon, on va arrêter de jouer. Voilà, t'es paralysé. Qu'est-ce que tu vas faire? Au revoir, bye. Remarque, il m'aurait tué. J'avais un Noriel derrière. Noriel qui pouvait faire free kill sur free kill. Allez, toi, tu dégages. À mon avis, c'est. Ah oui, j'ai toujours pas refait de stock de potions. Hein. Donc, on fait avec les moyens du bord. Oh! Un sanctuaire, c'est type spectre. Hein. Oh, en vrai, je crains rien d'un vieux type spectre. Hein. Et là, je me fais péter la gueule. Oh, il est là maintenant! Parce qu'avant, il était dans la zone. Vous voyez la route 1, qui est la forêt dorée. En fait, sur la gauche, avant, il y avait une gigantesque zone où on pouvait obtenir ce Pokémon-là. Enfin, sa évolution d'avant, sa forme de base. Voilà, c'est le petit point sûr. Et anecdote marrante. Ce Pokémon, enfin, sa forme de base faisait partie des Pokémon de la bêta de Pokémon Argent. Pas or et argent. Voilà, petit point culture. Du coup, au lieu de l'avoir ultra tôt, bah, on l'a que maintenant. Warfum. Oh, il le montre pas. Je vais vous montrer. Ce Pokémon-là, il y a exactement le même sprite, ce sprite-là, dans les fichiers de bêta de Pokémon Or et Argent. Sauf que ce n'était pas coloré, bien entendu. Et il me semble que c'est Eray qui l'a récupéré pour un de ses projets, bah pour le projet de Pokémon Vanguard. Mais à la base, c'était pas elle, enfin, c'était pas lui, pardon, qui avait fait le sprite. C'était quelqu'un d'autre. Et ensuite, Eray a demandé l'autorisation, la personne a dit oui. Et c'est comme ça qu'il est venu dans le jeu. Tiens, dans ta gueule! Bon, en dessous, il y a un dresseur. Et au-dessus, il y a un vieux article tout pourri. Oh, une CT! Oh, reflet! J'utiliserai probablement plus tard. On va défoncer ce dresseur avant. On va défoncer ce. Meurs. Double faiblesse. Ça dégage. Earth Power. Trop puissant. C'est en fait le type ténèbres, il marche que sur le type psy. Et encore, je préfère avoir une attaque à 90 de puissance que une à 55. Lutré. Tu tombes bien, Lutré. C'est franchement meilleur timing au monde. Oh, un PV. Vous savez ce qui se passe quand il y a un PV. Un PV égale Noriel. Allez, bye. T'es mort. Impossible que tu tankes ça. Faiblesse, tout en étant à plus 2. Impossible que quelqu'un tanke Noriel. Impossible. Ça, ça sert à rien. En tant qu'ils sont en full offense. Donc, j'ai eu un mort. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Est-ce que je vous ai présenté mon chat? D'accord.
On revient ici. L'ortie qui est bloquée dans le mur, enfin dans le bois. Tu devrais considérer d'abandonner, tu n'as aucune chance contre moi. À d'autres. Corvaillus. Très bon Pokémon au passage. Mais qui meurt de recul. Sauvegarde, non. Lui, je n'ai pas d'attaque glace. Oh mais je suis con! Je suis atypé. Oh barbaye. Casse-toi. Clefable, par contre, là. Bah je suis con! Tipson! Qu'est-ce que je m'aime? Ok, il y a un autre Ortide qui casse les bonbons. Je vais aller en dessous, voir ce qui se passe. Ok, il n'y a rien. Par contre, cette fleur, il y a un truc ou pas? Non. On aurait pu croire qu'il y avait quelque chose. J'ai même pas réagi tant que. En fait, j'ai eu l'esprit qui était vidé. Je l'ai dit en mode. Ok. Par contre, ça va faire beaucoup de zones à explorer derrière. Et de beaucoup de Pokémon à entraîner. Ça, je vais pas le cacher. Parce que 4 chapitres de suite, c'est quand même 3 zones différentes. Ça fait des choses. J'ai rien pour le contrer, lui. Enfin, rien pour le contrer. Si, j'ai neutralité au type glace, du coup. Nalade peut tanker. Nasty plot pour éviter les embrouilles. T'as pas Sucker Punch, t'as pas Vive Attaque, tu dégages. Et toi, il me semble pas que tu aies vive attaque. Donc tu dégages. Ok, c'est cool pour les pépés. Toi, tu dis rien. Et toi, c'est la boîte. On va sauvegarder ici déjà. Voyons voir la suite. Toujours route 11. Et là, c'est une musique de Pokémon par contre. J'ai attrapé un Pokémon! Et moi, c'est. Je vais dire, c'est ta mère que je. Non, mais je vais rester poli. Reste poli, Polo! Allez, dégage. Dégage. Merde, petite glace, je viens de voir. À part le type glace, hein, toujours le même problème. Et encore, là. Derrière, j'avais Gorythmique. Ou enfin, Gorythmique. Rillaboum. C'est quoi le truc qui est à gauche, là? Oh, c'est un terrestre! Terrestre, un Terracool! Marrant ça! Par contre, est-ce que je le tue si je fais Hyper Voice? Ah bah apparemment oui. Faudrait que je passe l'autre attaque. Walmart! Tu vas se faire one shot. Au revoir. Même problème. Tu dégages. Oh, il a survécu. Oh. Adieu Nala. Adieu Savannah, on t'a aimé.
Bonjour Doriel, comment vas-tu? Ah. Il m'a accusé de triche là, non? Parce que bon, les dialogues de Blue Dresser, on s'en fiche un peu. Hein. Oh, encore un terrain cool. Donc là, je trouve ça marrant qu'il y ait les Pokémon de la 9G. Ok, là, je peux le capturer. Et s'il s'échappe, il est mort. Tu t'échappes, t'es mort. Ok, il voulait pas mourir. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vois ce Pokémon, j'ai... Mon cerveau, il est en mode 404 pneus pendant. Mon cerveau, il est en mode mon collisateur. Hein. Je sais pas, je sais pas ce qui lui arrive. Finéon. Oh, Finéon. Il a dû mourir trois fois, là. Oh, il est plus rapide. Mais il est mort. Casse-toi, je veux prendre l'objet. Il ball, d'accord. J'ai raté. Ah non, je l'avais eu! Je suis tel un artiste martial. J'attrape les mouches avec les mains. Je regarde même pas le combat. Bro! Un objet! Data câble, je sais toujours pas à quoi ça sert. Un terra cool. Il est tellement cool que mon cerveau il gèle en fait. Ok, t'es mort. Oh, il est tanky ce bordel. Et en plus il a roost. Non, je vais le laisser crever. Ok, un PV. En fait, il faudrait limite que ce soit pas Norier qui ait la Sticky Web. S'il était un autre de Pokémon qui aurait la Sticky, ça aurait été incroyable. Comme ça, Norier serait sûr à 100% d'être plus rapide. Bon, là, je suis à plus 4, le dernier Pokémon. Oh, surtout ce truc-là. Allez, dégage. Vous avez quoi comme Pokémon? Ah, vous avez une équipe optimisée! Oh, d'accord, moi j'ai Noriel. Noriel, tout seul contre le monde. Qui gagne? Bah, Noriel. Je vais voir. Ok, d'accord. Ça valait le coup. Alors, dans Pokémon Régis, c'est le bois Bright. Non, Darkwood, un truc comme ça.
Darklight ou Darkwood, je sais plus le nom. Mais l'endroit est cool. Et là, cette forêt est plutôt pas mal. Darret! Polo! Je savais que tu ne serais pas le dernier à y arriver. Où sont les autres? Seulement un toi, Chelsea et moi sommes arrivés aussi loin. Nous devrions se balader autour. Enfin, se balader le temps que les autres arrivent ici. Nous avons un jour à tuer avant d'arriver, avant que le festival commence. Mais il y a une ville au-dessus. Alors je pense que ce serait le meilleur endroit à regarder. Très bien, on se voit là-bas. Super! Je vais demander à Chelsea de nous rejoindre. Mais elle est un peu timide. J'espère que toute cette expérience l'a rendue plus confortable avec les autres. Oh, des... Oh, Cabernet! Il n'y a pas de poubelle. Mais quoi, toi? Dans quoi? D'accord. Un objet à droite. Sachez. Bon, je suis... C'est pour... Là, c'est pour faire évoluer un Pokémon. Ah! Putain, c'était l'auberge. J'ai même pas fait attention. Isatsuro, salut. Je veux dire, c'est une toute petite ville. Les deux chambres que nous avons sont déjà prises pour le festival qui arrive. Ah, ça a du sens. Polo, je suppose que tu as entendu la conversation. Oui, même si je pense que la deux chambres ne seraient pas assez pour 10 personnes en tout cas. Alors que sommes-nous supposés faire? Je veux dire, on pourrait camper? On est entouré par une forêt. Alors ça devrait pas être dur de trouver de l'espace. Très bien. J'ai partagé les informations avec les autres alors. Il devrait être par ici maintenant. Ok. Donc toi tu sers à rien. Toi tu as quoi? On s'en fout. Toi tu as quoi? Rien, on s'en fout. Toi tu soignes. T'as un ordre. Maintenant, tout de suite. Sinon je te goume. Ok, d'accord, on rentre. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Discord? Excusez-moi. Non, du tout. Il n'y a aucun monde où je dors dehors. Quoi? Allons, ça va être fun. Est-ce que tu rigoles? Non. Elle est en train de bugger. C'est-à-dire que les gens, vous pouvez rester à la maison de mes parents dans la ville. Je suis sûr qu'ils s'en foutraient. Quoi, sérieusement? Je pense qu'il y a une erreur dans la phrase. Oui, je pense que c'est. Oui, c'est le cas. C'est ce qu'on devrait faire. Réponse finale. Mais le camping! Maison! Marcel, es-tu sûr qu'il y a assez de place de chambre pour nous tous? Et ça devrait être le cas. Nous avons plusieurs maisons d'hôtes. Très bien! Alors on se voit là-bas. J'attends donc que tout le monde. J'attends pour tout le monde et on y va. Le design de la ville est classe. Franchement, waouh, j'adore. Enfin, déjà la zone elle est belle pour moi. Oh, le TP. Non, je vais juste débloquer le TP. Hop là. Je dis quoi ce livre? Regarde. Il n'y a pas de poubelle. Un objet. Room service. Oh bah tiens. Putain, encore. Dans une maison, c'est le dialogue!
le scénario. Marcel! Salut, mère. Oh mon dieu, ce sont des amis! Oui, bonjour pour ravi de te rencontrer, je suis Leslie. Mon nom est Darrett. Moi, Laurel. Moi, Laurel! Merci de nous. Et moi, je suis Polo. Ah, merci, c'est super de vous rencontrer tous. Alors, mère, je me demandais. Est-ce que ça te dérangerait de laisser mes amis rester ici durant le festival? Oh, bien sûr que non! J'ai plein de chambres pour vous quatre. Actuellement, on est. Il y en a 5 en plus. Ah! Marshall, je ne pense pas. Je sais que c'est beaucoup, mais s'il te plaît, mère. Ah, très bien. Mais seulement parce que ton père est en dehors de la ville. Vous devrez voir pour vos arrangements pour dormir par vous-même, cependant. Je vais passer les prochaines nuits à Tekain. Atkins? Ah, c'est des gens en fait. D'accord. Atkins, c'est une autre famille. Je suis sûr qu'il ne. Ça leur dérangerait pas un peu de compagnie. Ah, merci, mère. Ne foutez pas le bordel hein, partout. Et souvenez-vous, vous êtes responsable pour votre dîner. Pour vos repas. Tout le monde est arrivé peu de temps après. Nous avons décidé que nous allons passer. Avec qui nous allons partager nos chambres. J'ai eu Calvin. Ça pourrait être pire, je pense. Pendant deux personnes, on devait dormir en bas des marches. Étant donné qu'il n'y avait pas assez de chambres pour... il n'y avait assez de chambres que pour 8 personnes. Et puis, le dîner est arrivé. C'est trop bon! Putain, quelle morphale. Chaque fois, elle veut le bouffer. Chaque fois? Ah oui, il y a la bouche de sa mère. Il y avait quelqu'un d'autre, il y a elle. Attends, tu penses vraiment? Hein? Merci! Arrête de gueuler! Bouffer! Zane, c'est Zane ou Zek? Ok, c'est Zane qui mange en démarche. 2, 4, 6, 8, 9. D'accord, donc c'est bien ça. Je ne pense pas que Zane et moi sommes allés dans... Attends, notre père ne voulait pas nous aider à régler nos différences. Quand nous étions plus jeunes. Il se préoccupait surtout d'améliorer son statut en tant que dresseur. Tu sais, je n'aurais pas parlé mauvais en face... enfin, je n'aurais pas parlé mauvais de mon père en face de vous tous. Mon père est le dirigeant financier représentant de l'Alliance. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est Laurel Sionsta. Tout ce que parle, c'est monnaie, c'est de l'argent, c'est argent ci, argent ça, c'est ça, c'est ça. Franchement, Pokémon, ça a des musiques de ouf, hein. Quand on relie chaque génération. Ça m'ennuie d'abuser sur mon roi de mes droits en tant que sa fille. À chaque établissement qu'il détient. Et ne me parlez pas de ma sœur. Cette femme est est tellement antitelle. Antitelle, c'est quoi déjà? Antitelle, intitulée. Pourquoi intitulée? Cette fille est tellement intitulée, ça veut rien dire. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Bref. En pétri? T'es en chiante?
J'en sais rien. Mon père est un docteur et ma mère est une infirmière. Oh, cool. Hein. Aucun d'entre vous voulait que je sois un dresseur Pokémon. Alors, je devais me débrouiller par moi-même depuis. À ce point, nous avons des problèmes familiaux. Mais c'est ok de parler à deux. Ne sommes-nous pas tous des amis? Merci. Très bien, qu'en est-il du festival? C'est une petite ville. Alors, je n'ai pas entendu quoi que ce soit pour, à ce propos. Eh bien, il y a 16... Il y a un tournoi de 16 personnes, pour un, enfin un tournoi Pokémon de 16 personnes. On devrait s'enregistrer pour ça demain. Finalement, un combat Pokémon où je ne dois pas écouter toutes les erreurs que je fais. Ouais, ça a l'air marrant. Mais avant le tournoi, notre... Notre ancien de la ville donnera un speech sur Isaya et comment il est devenu ce qu'il est. Isaya, je le rappelle, celui qui a rompu, qui a plutôt rompu la guerre entre les Pokémon et les humains qui ont, enfin, dans le lore de ce jeu. Je ne sais pas si c'est le délire de la Grande Guerre. Et après ça, il y a plein de nourriture, Isaya. Je suis surpris que je n'ai pas appris tant de choses sur lui. J'ai seulement entendu des choses, seules choses que je sais vient des cultistes ou de Vivi. Je me demande si elle est liée à tout ceci. Je me sens plus fatigué que d'habitude. Je pense que je vais aller au lit plus tôt. Le lendemain matin. Le matin déjà. Très bien, je dois rencontrer les autres. Ils doivent déjà être partis pour le hall de la ville. Y a pas de poubelle! C'est quoi ce... Y a pas de poubelle! Y a pas de poubelle! Oh, y a pas de poubelle à fouiller. Bonjour toi. Au revoir. Et là y a une poubelle. Non mais y a une quête. Ça compense. Je sais pas ce que c'est la quête mais je lui parle. Ah. Ça je suppose qu'on pourra les couper plus tard. Ou alors il va juste disparaître pour faire l'accès à la grotte là. Ok, le chemin est là. C'est vrai qu'on pouvait pas y aller. Y'a rien? Oh le bait! Il aurait tellement pu y avoir quelque chose. Ok, j'ai juste l'impression d'avoir tourné en rond. Pour rien. Et au milieu, il n'y a rien. Dis-moi qu'il y a un objet au moins. Non, il n'y a rien. À mon avis, il y aura quelque chose d'important ici. C'est pas normal qu'il y ait juste un rond et qu'il n'y ait rien d'autre, quoi. Et là? Oh! On peut... C'est pas des fruits qu'on peut ramasser. Même délire ici. D'ailleurs, on voit qu'il y a un sprite un peu bizarre au-dessus. Ok. Donc ça, c'est pour plus tard. Attends, mais c'est, c'était bien ici qu'il fallait aller, non? Rivera Town Hall. Ah putain, merde. C'est là? Bon, c'est pas là. C'est de là.
devrait être notre pause, cependant. On doit rester dedans et aider. Salut les gars, qu'est-ce qui se passe? Ah, salut Polo! Kelvin et moi, on a juste parlé de à l'un des travailleurs en civil ici. Apparemment, il y a plusieurs de ceux qui organisent le festival sont apparemment manquants. Ou signalés perdus. Alors, j'ai demandé si on pouvait aider à la place. Autant, j'aimerais bien me reposer sur notre pause. Je suppose qu'on ne peut pas. Je suppose que nous n'avons rien à faire avant demain. Super! J'ai donné une liste de tâches. J'ai déjà envoyé Destiny, Colin et Chelsea sur la leur. Marshall et sa mère sont en train de préparer la nourriture et je pense que Zek et Zane sont. Je pense que eux et eux deux ainsi que Laurel sont en train de dormir. Mais quoi qu'il en soit, mettons en place ce que nous avons. Très bien. Où est-ce que je suis demandé d'abord? Dirige-toi vers la route 11 et 10 et collecte un fou bundle. C'est des lingots de bois. Des lingots. Oui, des lingots de bois. Des morceaux de bois. 5 devraient être assez. Très bien. J'ai. Donc, route 5, 10, 9, enfin. Bref, en dessous. C'est ça. 10 et 11. Apparemment, c'est pas ça. C'est pas ça. Bah, je ne sais pas où est-ce que je les récolte en fait. C'est pas drôle. Je n'en ai pas trouvé un seul. Route 10. Il devrait y en avoir sur cette route. Quoi, mais c'est pas ça? Ah putain, je viens de voir. On va commencer par le début de la route. Ok, on est au début. À gauche, il y en a un. Mais je ne sais pas comment y aller. Bravo Polo. Ah, par là. Oh, un gros doudou. Et la victime, viens là. La victime, c'est un alpha, bordel. Je suis plus rapide que lui. Pauvre alpha. Bye, la victime. Ok, des bonbons, ultra ball, des gommes et des points de dresseur. Bon, j'ai tabassé une victime, je suis content. Maintenant tout va bien dans ma vie. Je suis relaxé. Je suis serein. Je suis chicken. Dites-moi que ce mystère ne va pas m'emmerder. Oh, là. Hop là, un de plus. J'en suis à 3. Il m'en faut 5. Hein. Bon, je suppose que les deux derniers sont sur la route suivante. Par contre, c'est dramatique que tout à l'heure, je les ai même pas vus. Au moins qu'ils sont cachés. J'en sais rien.
Ah, là, il y en a un. Par contre, le dernier, il est où? Là, je suis presque à la fin de la route. Hein. Ah, il est là. Est-ce que c'est Chelsea? Au milieu de la route 10. Donc c'est en dessous. Le milieu de la route 10, c'est plutôt par là. Et là. Chelsea! Hey! Ah, Polo, c'est toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais juste à tout, c'est tout. Oh, très bien. Ça te dérange si je m'assieds également? Tu veux t'asseoir? Ouais, ça pourrait faire une pause. Oh, très bien, ça me dérange pas. Chelsea, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as l'air énervé, peut-être. Ouais, je vais bien. Tu sais, tu peux nous parler, tu sais. Hein? Eh bien, nous sommes tous des amis. Tu peux dire ça? Ouais, et honnêtement, ça me dérange pas de... ah oui, oui, et honnêtement, ça, je relaye ce message depuis Darrette. Il a l'air plutôt... Adamant, il a l'air plutôt brut. Attends. À propos de... Enfin, plutôt dur. Plutôt dur. Sur le fait de, que l'on soit tous proches. Je ne suis pas en désaccord avec lui. Je veux être ton ami, c'est tout. Également, plutôt. Ah, merci, Paulo. Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir me faire des amis une fois que j'ai quitté la ferme. Je pense que je pensais un peu trop, c'est tout. Je pensais un peu trop à tout. Alors, merci, Paulo. Bien sûr. Et tu devrais revenir à la ville avec moi. Nous pourrons utiliser cette aide pour arriver au festival prêt. Pour faire en sorte que le festival soit prêt. Bien sûr! Attends, Polo. Est-ce que c'est. Peut-on se battre? Je veux savoir à combien je me suis amélioré. C'était pas elle la connasse avec le Trick Room? Ah non, c'est Destiny. Chelsea est gentille. T'as une équipe? T'inquiète pas, moi j'ai une Auriel. Toujours la même blague. Enfin, on peut dire que c'est une blague. J'ai envie de faire un workup. Je sais que là il est plus rapide. Mais là je devrais pouvoir la one shot. Ou pas, parce qu'il a défendu ma défense. Du coup j'ai été con. Et je vais sans en perdre. Parce que à part Noriel, Noriel, Iris sont faibles. Nala est faible. Savannah, c'est compliqué. Et j'ai envoyé Galir. Ok, c'était une speed tie avec Galir. Donc je peux savoir la vitesse de Pidgeot. Il a 117. Donc il faut juste quelqu'un qui soit plus rapide. Donc, Noriel, t'es à combien? T'es à 117. Putain, t'es pas sérieux. Ouais, vas-y, j'envoie Noriel. Vas-y, je suis un peu grid. Allez, hop. Ah bah merde, as-tu Noriel. Putain, le pit-time que j'ai perdu. Noriel, non. Alors, je rigole, mais en plus, je risque de perdre. C'est pas une blague. Oh, marrant ce truc. C'est un épaulé de type roche. Diamond Storm, d'accord. Ampharos, ça se prend son Hyper Voice. Oh, ou pas. Pas maintenant. Mais ça va se le prendre quand même. J'ai envoyé Iri en premier. Stun.
contre, t'avais le droit d'être paralysé, connasse. Vraiment, la paralysie, ça marche pas sur mes adversaires. Hein. Y a pas de justice. Hein. Ah bah si. Bon, vous voyez à quel point ma gridance m'a défoncé. Oh, marrant ça. Du coup, il passe de rush poison à sol poison. Arcane induit, il suit, double faiblesse, ça devrait se faire un shot, sauf s'il a permuté. Il a pas permuté. Je crois qu'il a permuté ce truc-là. Ah, lui par contre, il l'a. Ah, ta mère. Ah là là. Oh putain, ça a joué sur le scénario de perdre. Attends, faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir. Donc on est à la route 11. 10, 11. C'était route 10, je crois. Route... Non, c'est pas route 8. Non, route 9. Non, c'est pas la 9. C'est à 10. Non, c'était à 11 ou 10. Non, c'est à 10. Et c'était là. Il se passe quoi si on gagne? Apparemment, ça change pas grand chose. Ça change rien du tout. Mais par contre, c'est bizarre qu'on ne doive pas recommencer le combat. Ah, fais chier, je suis mort par comme une merde parce que j'ai fait le con durant le combat. J'étais gris, je voulais faire briller Noriel. Ok. Bon, je vous ai. J'ai pas traduit la fin. Mais grosso modo, elles se sont mal. Mais et qu'on dit que entre elle et nous, il y a moyen de sauver ses sentiments. Donc, chapitre 21. Perdu dans le vent. Level 4, 45. Où ça? Polo? Où es-tu? C'est quoi ce bordel? Holy shit! Pourquoi ma jambe me fait si mal? Peut-être que tu peux utiliser un Pokémon pour m'aider à marcher. Mais Pokéball, elle ne marche pas. Merde. Est-ce que c'est un rêve? Non, ça m'a l'air un peu trop réel. Quoi qu'il en soit, je dois bouger. Bon, mes poulets, je vous laisse. Ah, posez un cliffhanger, je vous laisse là. Je suis sadique. Et je vous dis à la prochaine. Cette vidéo, je ne sais pas quand elle sort. Mais des bisous, mes poulets. À la prochaine. Le lien est en au-dessus. Twitch, Polo, FTV. En dessous dans la description. N'hésitez pas à me suivre. Ciao, bye bye, mes poulets.